So try. Imba bo 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 kitende de 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 Aha. Oh my God. Oh my God. Stop. Yes, this is fire. This is fire. Fire. Excusez. Ouais. Tu m'as appelé? Oui. Il y a quelle bonne nouvelle? Ah. Bon. J'ai réfléchi sur tout ce que tu as dit la fois dernière. Et après tout, j'ai pris une décision. Et la décision est que je veux apprendre un métier. Très bien. C'est bien. Tu as pris une très bonne décision. Mais dis-moi, quel est le métier? Je veux apprendre le métier du pasteur. Ah, ce costaud, brada, la 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 la. Oui, là, c'est ce que je veux. Yeah. Ouais. On ne se lève pas un jour pour devenir un pasteur ou apprendre un métier de pastorat ou quoi, pasteur. Non. Le métier du pasteur ne s'apprend pas. Hein? Le métier du pasteur, c'est sur appel. Dieu lui-même va t'appeler. Dieu doit d'abord t'appeler. D'abord, il doit connaître mon numéro d'abord. Ah, frère Awed, je ne dis pas que Dieu va t'appeler sur le numéro, non. Si je dis Dieu doit t'appeler, tu dois voir par des signes, à travers des signes. Il va te parler dans sa parole. Il va te montrer des choses. Il va te conduire dans des choses. Et toi-même, tu sauras que Dieu t'appelle là-bas. C'est là-bas. Par des signes, on dit que Dieu appelle la personne. Là, tu sens que tu es pasteur et que tout ce que tu fais, ça marche. De nos jours maintenant, il y a les pasteurs. C'est pour de l'argent. C'est ça, il s'en va créer des églises. Deux jours, trois jours, ça ne marche pas. Yes. Yeah. Il s'en va chercher la tête humaine. L'écran humain. Oh, là, moi, je vais chercher la tête de l'éléphant. Il cherche des talismans, je veux dire, des talismans pour enterrer dans leur église. Okay. Tout ça là pour les membres de l'église. Pour que les gens soient pleins dans leur église. Voilà. Tout ça là pour de l'argent. Pour le vendre ballonné. Ce n'est pas bien. Du coup, le métier de pasteur, c'est sur appel. C'est sur appel. Ok. Là, moi, ce que je vais faire, là, j'ai pensé tout ce que tu m'as dit tout de suite. Et j'ai réfléchi. Je connais la fille du pasteur là. Je vais la. Vaut mieux que je la marie pour qu'elle puisse me transférer ça. C'est que je veux, tu sais. Si c'est transférable, c'est que l'onction est transférable. C'est que quand je vais la marier, elle va me transférer ça. Génétiquement, tu vois là. Frère Awed, je ne te dis pas tout de suite de penser à ça. Va, réfléchis encore. Moi, je suis là pour t'aider. D'accord? Va réfléchir sur ce que tu vas faire. Moi, je suis là pour t'aider. Non, ne prends pas la décision tout de suite comme ça pour dire que je vais marier l'enfant d'un pasteur, l'ancien. Non! Va réfléchir encore. Je suis là pour t'aider. Frère, ouais. J'espère que tu me comprends. Ok. Et si je marie la fille du pasteur, ça, on ne peut pas me transférer ça. Frère, ouais, va penser d'abord, je suis là pour t'aider. En tout cas, que le Seigneur te garde et qu'il
Il t'accompagne. Okay. On nous garde le contact. Ok, d'accord. Ok.